Bon mois de décembre tout le monde, bonsoir, très bonne semaine sous TNH et puis bienvenue dans Téléjournal Lance sous Télévision Nationale d'Haïti. Tout de suite, yo. Président République Lan, Jovenel Moïse, quitté pays à lundi 3 décembre pour un voyage officiel, Cap Meneli, Trinidad et Tobago et Cuba. Dans Trinidad, participer dans la célébration 20 l'année coopération Haïti à Cuba. Première dame République là, Martine Moïse, accompagnée ministre Santé publique. Et dimanche là, divers services dans l'hôpital Université La Paix, Pamio, service maternité, Axal, néonatologie. Agent PNH saisi Yon Galil, 180 cartouches M14, 53 cartouches 9 mm et puis arrêté plusieurs moun parmi yo 3 chefs gang dans cadre d'opération li mené dans zone métropolitaine nan pendant acteur principal Gary Desrosiers. Président Sénat République Lan Joseph Lambert confirmé séance travail à Conseil supérieur police nationale Lan a fait mardi 4 décembre. Dans cette séance cap public gain plusieurs questions sur dossier sécurité cap gain pour aborder. Jeudi lundi 3 décembre fait 17 l'année depuis bandi Axam t'est assassiné journaliste Brignol Lindor dans Tigouave. Dans occasion ça, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis journaliste exerce métier yo comme ça doit. Ministre de la République, Transport, Communication, Fritz Kayo, côté précision sur divers travaux qu'a réalisé dans divers départements dans le pays, tant qu'au Grand Nord et l'Ouest. Ministre Fritz Kayo a participé dans la 65e conférence lundi de la presse, lundi 3 décembre. Ensemble avec mon handicapé, on travaille pour Corée Développement. C'est sous thème ça, bureau secrétaire d'État intégration. Mon handicapé, on a tête collé avec association Femmes Actifines en Soleil et puis Union Femmes avec Mobilité Réduite, commémoré lundi 3 décembre en journée internationale mon handicapé. Dans l'actualité sur le plan international, ancien président américain George W. Bush mourit vendredi 30 novembre. C'est petit garçon, ancien président George Bush, qui a annoncé nouvelle sous compte Twitter. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces titres à copier l'autre information. Nous prenons le poté pour nos journal pour asseoir. Il faut encore saluer et remercier tout le monde qui branchait Téléjournal Lan sous Télévision Nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui est ensemble avec nous. Nous avons démarré tout de suite ensemble avec information pour nous faire connaître Jean Tédil dans Grand Titio. Président République Lan, Jovenel Moïse, quitté pays d'Haïti lundi 3 décembre pour une série de voyages officiels Cap Meneli, Trinidad et Tobago et puis non pays Cuba. Dans Trinidad et Tobago, chef l'État a bien pour participer dans une rencontre extraordinaire, chef l'État et gouvernement CARICOM, cap centré sur marché et économie unique. Lan. Tout de suite après, dans même journée 3 décembre, président République Lan a fini virer en ça dans le pays Cuba dans le cadre de célébration 20 années coopération Haïti et Cuba. Chef l'État doit retourner à Haïti mardi 4 décembre. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Titio tout, porte-parole police nationale, inspecteur principal Gary Desrosiers, présenté jeudi lundi 3 décembre, bilan opération diverses unités dans PNH réalisé dans week-end dans quelques zones dans région métropolitaine. Pendant opération, agent PNH yo rivé saisi Yon Galil 180 cartouches M14, 53 cartouches 9 mm et puis fait diverses arrestations. Midra Emilia s'a présenté nous un reportage ensemble avec Emmanuela Turin. Opération ça qui te prend plusieurs aides, te permet de démanteler un réseau individu mal intentionné qui répétait dans un criminel crasé brisé. Agent yon rive saisi, d'après inspecteur Gary Desrosiers, diverses gros armes et munitions, tant que Yon Galil qui c'est bien police nationale d'Haïti, 180 cartouches M14, 53 cartouches 9 mm pour ne citer ça seulement. La police nationale mène une opération. Nous sommes capables de dire son opération marathon parce que
prend des heures pour arriver épingler et écho de gang qui a opéré dans la zone centre-ville là, plus exactement dans la zone rue Pousselaine qui contigue justement à Grand-Rue. Dans le cadre d'opération ça, la police saisit Lyon Galil, qui c'est bien police nationale, un fusil AK-47, un fusil Uzi, deux pistolets du calibre 9 mm, deux bonbonnes gaz lacrymogène, trois gagoules, trois cagoules, un gilet tactique, une quantité de poudre qui semblait à cocaïne, 53 cartouches 9 mm, 180 cartouches M14, 16 chargeurs 9 mm, 17 chargeurs 45, 18 chargeurs Uzi, 13 chargeurs M4, 20 chargeurs Galil et 21 radiocommunications, 27 manchettes. Gagné 88 personnes qui interpellés lors de l'opération. Pour le moment, gagné 9 personnes qui identifiés parmi les personnes que nous avons arrêtés. Parmi eux, il y a 3 chefs de gang. Saint-Fort Pierre, Richard, Dessous Poles, qui continue à appeler Mazora, et Sadrak Brice, que nous venons d'aller là même. Et information que nous joignent, t'a semblé que Sadrak Brice t'a impliqué dans l'exécution que nous voyons sur le réseau Jeune Tigre Sansar, côté que Yoté Cyril. Et toute société a justement parlé de incident ça, de drame ça, qui était livré, côté que bandit exécuté un jeune garçon. Opération ça qui réalisé dimanche 2 décembre 2018 là, dans rue Postelaine qui trouvait dans rue Saint-Martin, conduit tout à l'arrestation plusieurs autres citoyens qui t'a semblé impliqué dans un pile zak malhonnête qui vivait dans dernier jour ça yo dans zone région métropolitaine. C'est unité spécialisée dans police nationale là, tant que Boyd, Udmo, SWAT qui facilitait opération ça. Opération ça qui était impliqué Udmo, Boyd, SWAT, BIM, FPU, SDPJ, qui étaient impliqués lors de l'opération SAR. Commissariat Pétionville, arrêté Andressi Cadet, qui gagnait 35 ans, arrestation d'affaires le 28 novembre 2018, M. Habité et Quadépoué, dans Pétionville, M. Tous et Sécurité et Chauffeur Lyon Député. J'étais à bord d'un poche Cayenne, sans plaque, et était en possession d'un 9 mm Taurus, qui c'est bien l'État haïtien, police nationale. Bientôt, Mérisier Lionel, qui a 48 ans, qui a arrêté, qui était gain armes sur lui, dont revolver de calibre 38, et au niveau d'Elma 42, il y a deux bandits à moto, qui sont stoppés par la police, et ils ont gagné sur eux, ils ont 9 mm. Porte-parole en après police nationale, là, inspecteur principal Gary Desrosiers annoncé institution policière a renouvelé engagement pour continuer le travail pour garantir sécurité la vie et protection bien tout citoyen. Nous avons toujours été ensemble avec porte-parole en après police nationale, l'inspecteur Gary Desrosiers, qui a annoncé enquête à continuer pour permettre lumière capable faite sous incident Miragouane. La police prend disposition pour moun toujours circuler tout partout dans la région métropolitaine, d'après inspecteur principal Gary Desrosiers, toujours dans le micro, Emmanuel Aturin et Midrey Milias. Robert, 53 ans, qui est affecté à l'inspection générale. Pendant que lui finit à faire des business, à peine, et bandit à attaquer et une promotion classe commissaire de police. N'a dit que enquête là en cours au niveau de la police, au niveau de la DCPJ, pour que nous soyons capables d'arriver à identifier les gens qui font ZAXA sur le commissaire de police là et mettre maintenant en colère, conduire devant la justice. Concernant le drame qui est arrivé de la Guadeloupe, côté que trois policiers étaient ensemble, dans le Night Club, et la Grande Zio, pendant qu'ils ont retourné parce qu'ils étaient supposés prendre poste, et 23h, 4h du matin, sur l'information qu'il y a, voilà qu'ils ont monté la machine là. Policiers qui, derrière, tiré
Jean-Alain, 22e promotion, qui prend 2 balles dans la vente. Pour le moment, la prend soin de l'hôpital. Bien tout, malheureusement, policier Alexis Fidouard, 22e promotion, agent 1, qui est affecté dans la prison en Savo, qui a tué 3 balles dans la tête. Et c'est policier Enoch Luma, 22e promotion, promotion là, qui tuait policier ça. La noté matin, aux environs 4 heures, la police arrêté, et on connaît que les hommes ça ouvre son pile département. Et on a toujours présent dans la zone, non? Et pour que nous soyons capables d'abord assurer la sécurité de nous, et du bien, et pour que nous empêchions Dio raisonnant en otage pour y habiter pour faire ça. Et ce n'est pas opération, j'aime dire, là, et pas présence, pas pour elle, je dis, pas pour elle l'après. Même les gens ne doivent pas réunir autant de policiers, mais la police, les yeux, sous zone ça, également tout autre côté, dans la zone métropolitaine et un peu partout à travers le département. Nous allons poursuivre ensemble avec le président du Sénat République, Joseph Lambert, qui confirmait séance de travail à Conseil supérieur police nationale l'an a fait demain mardi 4 décembre. Dans la séance à cap public, il y a plusieurs questions sur le dossier sécurité cap gagné pour aborder. Sénateur Lambert dit séance a fait en deux temps. Premièrement, il y a rencontré CSPN l'an, ensuite il y a gagné pour rencontrer le ministre de la République pour discuter sous l'agent fonds entretien routier. Un suivi extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilwich. Son rencontre qui était supposée faite depuis quelques temps, nous connaissons une situation politique ou bien sociopolitique à laquelle le pays a fait face dans les derniers temps, qui est obligé nous à chaque fois pour nous faire un report, que ce soit nous faire un report là ou bien son report qui est sollicité par le président du CSPN. Demain, nous avons rencontré en même temps le Premier ministre en public, du ministre de la Justice, et du directeur général de l'ONI, et du directeur général du FER, pour nous capables de regarder des questions qui ont rapport avec le fonds d'entretien routier, pour nous regarder le dossier Dermalogue, qui a rapport avec la carte d'identification nationale, et qui a rapport tout, bien sûr, avec tout l'autre dossier dont on est dans le Fonds national de l'éducation. Alors, son séance, on joue de séance statutaire que nous déplacer pour nous capables de faire séance ça que nous trouvons d'extrême importance. La publique. Et cette séance sera publique pour tout le monde en mesure tendre sa capacité. Dossier insécurité, dossier machine officielle qui a échappé avec moun, dossier gang qui démantelé, ou bien commencé démantelé, qui aux abois, qui en difficulté, qui a couru en province, pour Port-au-Prince à barrer, faut province à barrer tout, c'est barré en haut, barré en bas, et comme nous t'ai toujours dit, eh bien, pas de place vraiment dans ce territoire ça pour nous bailler bandits. Galionnais, Jean Ouvlé, fait ça au vle, fait ça au pipito. Et le directeur général de la police a pris temps pour comprendre ce qui a passé là. Ou bien il prend temps tout pour que lui mette toute association droit mounan tout face à la réalité. Ya, lorsque nous avons des policiers qui décapités, brûlés vifs, et nous avons un jeune garçon que nous avons exécuté, nous croyons que c'est trop, sans être trop, et à bandit et demi. CSPN confirmé, et nous te dit Premier ministre Santo, demain le Premier ministre, nous avons journée là avec le Premier ministre, des membres du gouvernement, directeur général de la police, certains directeurs généraux, nous avons journée chargée. Et puis concernant machine officielle, sénateur Lambert, pour citer nom officiel ça qui d'après lui c'est un député, précision là. Il n'a jamais été question de sénateur mais nous dit un parlementaire parce que nous sommes au parlement haïtien
Et c'est précision ça, dans le premier temps que nous avons besoin de faire, pour que nous enlever tout doute et suspicion sur une quelconque implication de un sénateur dans ce type de manœuvre. Ça c'est pas un sénateur. Allez, ça, son scoop. Et deuxièmement, je ne sais pas quoi, tant qu'on te dit, dans CSPN, moi-même, j'ai des paroles pour me dire. Et mettre des paroles, moi. En dépit du fait que, pile le monde, et pas des moindres, des hommes politiques, des femmes politiques, des mondes qui n'ont droits humains et autres, etc., par rapport à toute menace que je connais, qu'il y a fait tout, il y a découpé mon maillot avec tronçonneuse en petits morceaux pour déposer devant la caille, moins patati patata, etc. Ça encore, c'est du pipi de chat. On fait face à une réalité, et cette réalité, tout le monde la vit. Et compte tenu du fait que nous vivons au jour le jour, eh bien, il est important que des acteurs politiques, des gens responsables, qui gagnent une responsabilité dans l'État, eh bien, il faut qu'ils fassent face. Il faut qu'ils fassent face à tout le monde. Tout le monde attend que moi dis ceci, dis cela demain. Comme quoi, ça me voit demain, son nouvel livre pour le monde. Pas de nouvelles pour personne. Nous-mêmes qui journalistes, si vous posez nos questions là, puis vous avez un pressentiment, on a déjà dit, ah, c'est un tel. Alors, je crois que la réalité, écoutez bien, moi je dis autant de CSPN là demain. Avant, on a le mardi, il faut qu'on passe dans lundi. Alors, il faut attendre lundi. Ok. Après, je vais attendre un scoop déjà. Je vais attendre ou ce n'est pas un sénateur. Nous allons suivre ensemble avec le secrétaire d'État communication Eddy Jackson Alexis qui profitait occasion 65e conférence lundi de la presse là pour rappeler le mort journaliste Brignol Lindor dans date 3 décembre 2001. Secrétaire d'État communication a mandé tout acteur concerné pour continuer travail, yon façon pour faciliter journalistes exercer fonction yo comme ça doit nos pays. Litena micro Rachel Saint-Fort avec l'aurore d'Arly Jean-Jacques. 3 décembre 2001, la presse était rapportée de façon tragique avec un pile tristesse la mort d'un journaliste dans ville Tigouave qui c'est Brignol Lindor. Moi-même, moi, c'est un journaliste de carrière qui, je dis, a une responsabilité dans l'État. C'est le moment pour nous rappeler date ça. Que Haïti, pas de jamais oublier, que nouvelle génération de goumen pour ça pas reproduire encore, pour que tout journaliste y ait liberté et l'attitude exercer profession suivant sa constitution dit à loi république là. L'aime dit loi république là, moi je voulais parler non seulement du code pénal là, mais tout de convention et accord que Haïti signe. Non pas capable d'oublier que le pays a signé une convention avec un pays étranger ou bien dans le cadre de coopération internationale, convention ça a intégré législation pays. Donc pour que pas jamais Brignol Lindor encore, nous devons, au niveau de l'État, continuer à garantir l'exercice professionnel dans la société. Journalistes doivent eux-mêmes tout respecter les principes qui régissent le fonctionnement métier. Mais il faut que nous n'avons pas toléré la radio mille collines. Nous connaissons ça, ça fait déjà dans l'autre pays. Catastrophe que ça a engendré. Ça fait bandit qui n'a pas osé sur la radio. Profiter de l'occasion ça pour faire appel à sens responsabilité nous. Pour que nous connaissions le seul pays qui a construit là, tout le monde dans la sphère d'action PAYO et pour assumer responsabilité yo, pour nous léguer un autre pays à jeunesse là qui l'a aujourd'hui. L'autre information à porter pour nous, première dame non, Martine Moïse, accompagnée ministre Santé publique à population, docteur Marie-Greta Roy-Clément, visité divers services dans l'hôpital Université La Paix, parmi eux, service maternité, à salle néonatologie.
Dans l'occasion, première dame Martine Moïse renouvelé engagement pour installer programme Contem moins Contea dans tout l'hôpital Accent Santé en dans pays. N'a invité nous suivre en compte rendu avec Falanda Delphin et puis l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Visite sa fête, l'objectif pour équilibrer le service pédiatrique capable d'améliorer dans l'hôpital universitaire La Paix. L'hôpital ça qui offre tout service médical et paramédical a bien pour bénéficier d'une salle néonatologie dans le service pédiatrique dans le jour qui vient là. En même temps, le ministère de la République et la population, Dr. Marie-Greta Roy Clément, a annoncé un plan de réhabilitation pour l'hôpital là. Pour l'hôpital La Paix, ça fait quelques mois que nous travaillons sur un plan de réhabilitation de l'hôpital La Paix et nous pensons que le plan ça a commencé à concrétiser. D'ailleurs, nous avons devant pharmacien, nous rénover pharmacien qui va commencer fonctionnel. Nous avons commencé à travailler dans la pédiatrie, nous avons continué à travailler dans la pédiatrie. Ensuite, nous avons passé dans chaque service pour nous capables de réhabiliter. Et nous sommes en mesure de dire que très bientôt, nous allons gagner une salle d'urgence moderne au niveau de La Paix. Et c'est sur ça que nous travaillons ces derniers jours. La première dame république, Martine Moïse, fait qu'on est bien plus d'efforts qu'à faire pour permettre à fréquenter l'hôpital si l'agent de service. La première dame nous fait qu'on est tout. Le programme compte moins contrôle là à continuer pour permettre à tout le monde qui fait que cette urgence une identification. Ça me penche pour les petits pour me donner une garde dans qui, comment tout le monde est dans l'hôpital là, qui type de traitement il a gagné, qui ça a besoin, moi, grand pile travail qu'à faire. Parce que une nouvelle salle de néonatologie qui presque paraît. Donc, moi, c'est seul sacrété, c'est pour mettre les gens là-dedans. Et puis, il y a un gros problème de génératrice là qui n'est pas stable. C'est stabilisé avec un stabilisateur, problème n'a pas résolu. Donc, c'est deux, trois petits bagages techniques qui sont qui vous faites pour que ça, les gens soient capables de servir, jouent accès à lui-même. Le programme n'a pas continué à camper parce que nous ne pouvons pas camper, il faut nous activer les gens. Et pour être capable de bâtir des programmes pour des gens, il faut gagner des chiffres. Si on n'a pas gagné des chiffres, on ne peut pas vraiment faire. Donc, le programme compte moins, compte à continuer. Et très bientôt, on va aller dans l'hôpital de province sur Saint-Marvel pour voir si tout le monde qui est en dehors de province a bénéficié du programme. On a rappelé, le service maternité a ouvert dans l'hôpital universitaire La Paix dans l'année 2013. N'a pas arrêté sous même lancé ça pour nous faire connaître première dame là, Martine Moïse visitait tout lundi 3 décembre l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs. Dans le cadre de déplacement ça, première dame l'a visité différents services dans l'hôpital là, tant que service maternité, service oncologie, à service néonatologie. Première dame Martine Moïse rencontre tout responsable de l'hôpital là et puis parler à Kyo sous fonctionnement l'hôpital Silla. Première dame lundi, visite à Plan Delphin avec Hervé Pierre. Je suis venu garder le service pédiatrie, je suis venu voir comment il y a des gens qui sont malades, je suis venu voir des gens qui font le cancer, je suis venu voir des gens qui font le traitement pour le cancer. L'état est stable, il est bien, il y a pas de mais l'autre sac tout j'ai pu frapper, nous sommes en série de gens. Parce que jeudi, c'est la journée internationale des handicapés. Donc, ça a abandonné au gain, c'est ça seulement les gens qui abandonné qui handicapé. Donc nous dépassons, ouais, ou bien que c'est voix pas trop normal, je pas fini trop comprendre, nous t'es souri avec eux, parler avec eux, il y en a qui t'es souri avec tout, mais nous devons comme si je dis à marquer journée dans la vie. Parce que côté où il y a souvent plus de monde qui vient ouais, on connaît, de nos l'hôpital qui pas dans une structure l'état, mais en structure privée, mais il y a même tout a besoin que l'état prenne soin eux parce que c'est le petit monde. Qui t'a supposé sur la responsabilité de l'État parce que maman est avec papa abandonné. Le bien-être social, dame qui, parce que m'a dit que le bien-être social toujours pas de ouais, comment y est, bah, fait suivi avec eux. Si mon qui plus ou moins normal, l'air fait adoption. Pour être en page santé, pour nous faire connaître, journée mondiale lutte contre sida, commémorer Anissa sous thème, ma fête sida, ma gérer la vie, dans hôtel Caribé, en présence de plusieurs personnalités. Ministre Santé publique à population, Dr. Marie-Greta Roy Clément, saluer courage et engagement PVVIHO qui toujours défend droit. Stéphanie Charles avec Fresnel Toussaint a présenté nous un reportage. On suit.
M'a fait test sida, m'a géré la vie, c'est sous thème ça. Journée mondiale lutte contre sida, commémorée 1er décembre qui s'est passé là. Ministre Santé publique et population, Marie-Gretawa Clément, fait qu'on est arrivé pour réveiller toute communauté, dans l'idée pour créer un climat dans quel posé pour PVVIH. Le pays continue donc de progresser en se basant sur les dernières recherches, les leçons apprises et l'expérience acquise. Une charge virale indétectable est synonyme d'un risque minime d'attraper le virus. Et les directives cliniques recommandent de placer très tôt sous traitement les personnes séropositives afin d'optimiser chez celles-ci le nombre d'années de vie en bonne santé. Devant les progrès d'une telle rapidité et en si peu de temps, il n'est pas irréaliste d'espérer des programmes encore plus remarquables dans un futur proche. Ministre Santé a salué courage avec engagement PVVIH qui toujours campé pour défendre droit et puis participer dans la bataille contre maladie sida. Chers invités, chers amis, à travers le thème de la Journée mondiale du sida cette année, connaître ton statut, ma fête sida, ma gérer la vie, chaque haïtien est invité à chercher à connaître son statut sérologique et à adopter un comportement sexuel responsable. Nous invitons tout le monde, et spécialement jeunes Nouyo, pour le faire test sida. C'est aussi l'amour et respect pour partenaires, pour monde, pour les mères. N'a profité Journée mondiale sida pour nous saluer et spécialement courage à engagement PVVIH qui toujours campé de gens pour défendre le royaume et pour participer à toute force dans la bataille contre sida. Serrons-nous les coudes et regardons tous ensemble vers 2030. Faites un sida gratis pour qu'on côté au garde, sous traitement pour bien gérer la vie. Depuis qu'on est enceinte, elle fait test. C'est ensemble conseil qui t'est renouvelé dans l'occasion. Ministre Santé publique et population annoncé gagner un document plaidoyer pour société civile là. Dans l'idée pour aider à comprendre problématique ça qui est en préparation. Nous avons toujours été dans le même sujet ça avec président association l'hôpital privé Haïti, docteur Franck Généus, qui encourageait tout le monde pour faire test dépistage ça qui permet de gagner un bon comportement. Docteur n'a pas négligé bah, quelques détails sur différentes façons yon moun katrape maladie sida et puis qualité attitude yon moun ta doué adopter pour capable faire prévention. Il a participé dans l'émission mise au point, n'a pas invité nous suivre yon bout. VIH là, virus là, germe là, les li entre dans quoi mon nan, petit à petit, il pral développer un certain nombre de symptômes qui pral en fait déterminer maladie que nous relé sida. L'extrêmement intéressant pour faire. Donc, bonne différence entre VIH et sida. Il y a énormément de différences entre VIH et sida. Première différence, c'est que VIH là, c'est non, yon germe. Deuxième différence là, c'est que un monde qui est infecté de VIH, il y a des symptômes de maladie, ça veut dire qu'il a fonctionné même genre avec vous, il y a d'ailleurs en meilleure santé que moi-même avec vous. Et de façon très concrète, nous prenons un exemple, un monde doit gagner germe ou bien virus grippe dans le corps, il n'est pas manifesté et maladie grippe. Donc, un monde qui a VIH, il n'est pas nécessairement gagné sida. C'est progressivement, si monde n'a pas sous traitement, que le pral développer des symptômes, des signes qui pral déterminer le syndrome immunodéficient. Si le symptôme ça, c'est qui ça, oui, le monde a gagné maladie. Ok. Et VIH, sida, maladie sida, c'est une maladie qui gagne comme caractéristique pour l'évoluer sur très 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 longtemps. Il y a un monde en fait qui prend germe là qui jusqu'à 10 ans, 15 ans, voire 20 ans pour qu'on développe. On est capable de gagner des symptômes très simples de, sous forme de fièvre, etc. Et qui baille en fait premier groupe de symptômes que mon a gagné et qui pas du tout évoqué une maladie grave. Maladie sida,
li très connu maintenant que ou capable d'attraper maladie sida dans rapport sexuel de façon plus simple. Et virus là il est présent dans toute liquide biologique monde, que ce soit sperme, que ce soit d'autres liquides biologiques, mais dans sperme est particulièrement présent, donc dans rapport sexuel pour capable d'attraper. Alors rapport sexuel sans précaution, sans rapport sexuel non sans... protégé, sans préservatif, et ou capable d'attraper maladie sida si yon n'a partenaire yon infecté li capable de transmettre gène nan ban l'autre monde, tout cas on a retourné sur aspect ça. Deuxième façon qu'on peut attraper li, c'est contact sanguin, ça veut dire sang avec sang, sang avec peau, mais sang surtout avec muqueuse. Ça veut dire que par exemple si on regarde des parties dans les yeux qui blanche, qui pas même couleur avec pour la nourrir les muqueuses, c'est beaucoup plus facile pour gène nan traverser et à travers des liquides sanguins ou des liquides biologiques si on tombe sur. Et troisième façon, c'est ça nourrir la transmission verticale, c'est maman qui est enceinte qui est capable de bailler petite lit, que ce soit dans le ventre, un peu moins, mais essentiellement dans le passage, dans l'accouchement, lui est capable de transmettre le virus ça bailler petite lit. Comment arrivez-vous nous prendre l'autre pause dans le journal L'Arrêté branché, Neptune? Merci parce que nous toujours été branchés. Journal Lavra pour suivre sous télévision nationale d'Haïti pour nous faire connaître. Autorité ministère travaux publics dans le département NIP, dans tête collée à bureau député Leman Premier et puis député Wilner Guerville, lancé week-end passé en travail construction tronçon route Orno-Rive Vieux-Bourg, Vieux-Bourg-Dakin. Route ça qui passait tout dans la commune L'Asile pour faciliter circulation moun ak machine dans la communauté ça. Travail construction tronçon route ça rentré dans cadre volonté autorité gouvernementale yo pour relier yon ak lot différentes zones dans le pays. Cérémonie lancement travail construction route à nos vieux bourgs d'Akéan déroulée en présence parlementaire, magistrats différentes communes, autorités locales, directeur départemental, ministère travaux publics. Là. Et puis, on a profité faire qu'on a un ministre travaux publics, transport, communication, ingénieur Fritz Caillot, côté précision sur divers travaux qu'a réalisé dans divers départements dans le pays, tant qu'au Grand Nord, avec l'Ouest. Ministre travaux publics, là, qui t'a participé dans 65e conférence lundi de la presse, lundi 3 décembre, expliqué, travail, ça va permettre plusieurs milliers de monde capables de joindre un job. On suivi un extrait dans le micro, Rachel Saint-Fort, avec l'aurore d'Arly Jean-Jacques. Dans l'Ouest, on va intervenir dans le tronçon Pernier, route et l'ouverture, quand nous avons des CPJ, nous commençons à ouvrir ça fait quelques temps. Nous avons tout les bois qui là, nous sommes déplacés, nous avons mettre en troisième voie. Et nous avons un pont Tabar vers Marassa, ça veut dire Tabar 27 là, que nous commençons déjà. Et là, sur environ 2 km de Pont-à-Bas, vers Croix des Bouquets, sur 2 km, nous avons environ un mois depuis nous commencer à continuer dans 4 programmes. Nous avons Cité Soleil. Cité Soleil, nous avons zone barrière, nous avons fontaine, nous avons rapatrié. Nous avons but boyer, nous avons Côte-Plage 28, nous avons route nationale numéro 8, nous avons Côte-Plage 26, nous avons Côte-Plage 28, que nous avons intervenu, nous avons Avenue Panaméricaine au niveau de Mont-Lazare, et nous avons Delma 2, nous avons Santo 3, route nationale numéro 1, nous avons Mont-Repos 40, nous avons Route des Rails, Croix des Missions, Clercine, qui passe exactement dans la zone côté nous, l'église Croix des Missions, qui a sauté sur la place là. Et nous gagnons la zone du marché de tabac, Clercine 15. Nous gagnons Port 67, zone de Carrefour. Nous gagnons la route nationale numéro 2 à Carrefour, à partir de l'intersection route des Rails et route nationale numéro 2 en allant vers le sud. Nous gagnons l'intersection route nationale numéro 2 et Carrefour par les Rails. Ensuite, la rue Larac. Parallèlement, comme l'Ouest là, son côté extrêmement difficile, nous avons décidé, parallèlement, au moins, d'initier des travaux de curage.
et curage là pour faire c'est des curages manuels et mécaniques. C'est des travaux structurants. Côté m'a fait trottoir, m'a fait caniveau, on prend m'a fait fossé et souvent m'a fait fossé maçonné. C'est des travaux durables. Nous prenons intervenu, par exemple, au niveau de l'Artibonite. Là, sur une longueur de route de 3642 mètres linéaires. Au niveau du centre, environ 2466. Dans le niveau nord, nous allons intervenir sur 3521 mètres linéaires de fossé. Et nord-est, sur environ 3418 mètres linéaires de fossé. Au niveau du nord-ouest, sur environ 4178,57 mètres linéaires. L'ouest, nous allons intervenir sur 11802, ça va environ 11 km de route que nous avons fait dans le département de l'ouest. Notre information a porté pour nous, CBEL Haïti, organisé 7e édition Forum Entrepreneurship Lee sous thème des déchets à la richesse. Forum ça a réalisé dans l'idée pour transformer déchets plastiques en meubles avec l'autre accessoire. Roselyne Chéron-Séide, une designer qui a participé dans Forum ça, fait qu'on est là pour travailler pour contribuer dans l'amélioration environnement pays. De l'encourager tout le monde, collaborer et puis protéger l'environnement. Roselyne Chéron-Séide t'a parlé dans le micro Stéphanie Charles à Toussaint Fresnel en suivant. Je suis très content que moi la chaudien parce que j'ai un pile bagaille qui a fait moi pour transformer déchets à richesse que moi pas trop courant donc moi bien content que moi là que me qu'attendais et que un pile habitude d'où que nous t'as dû commencer changer haïtien et moi-même moi transformé en de meubles et accessoires pour caille tant que chaises et puis au fur et à mesure que mon ouais que y a fait un compliment etc donc et moi viens décider des fonds bagages qui sont capables de faire une différence dans l'environnement pays. Pensez à l'avenir pays, pensez à l'avenir de tout le monde, parce que ce petit bout de terre ça qui pour nous, c'est là qui peut jamais mettre nous dehors, donc c'est nous pour protéger. Je n'en ai continué à faire cause ensemble avec direction loterie l'État haïtien qui présentait lundi 3 décembre bilan activité yoménin pour année fiscale 2017-2018 là. Dans l'occasion, directrice générale institution ça, Margaret Fortuné, côté précision sous rapport qui existait. Entre LEH à tenancier Bolletio. Puis loin, directrice va encourager tout tenancier rempli de voyous envers LEH, une façon pour permettre l'État réaliser. Et une coopération avec NACOM, ce jouet, l'idée qu'on fait, ce téléphone. D'un coup, Bolette Mignon, 85, la houlette, 78, 78, jouet bingo, 50, 00, Dubaï LEH Internet, je dois gagner 20 l'école internet dans 10 départements paysans à raison de 2 l'école pour chaque département. Nous faisons conférence de presse tout pour nous profiter pour l'éclaircissement sous fonctionnement lotrien, sous affaires de bric à courir. L'heure est argent ici, ou bien dans 10 départements de coordination départementale, fait qu'on ait que gain de tenancier qui a dit que l'Association nationale tenancier Bolletio et gagné un accord avec l'autre national. Nous apportons un démenti formel à l'information ça, qui va gagner pour le avec vérité. N'a dit que l'autre national, c'est celle instance la loi bail autorisation pour faire perception, ça veut dire rentrer l'argent dans la caisse l'État dans affaires jouet à ce territoire. Nous avons demandé, ministre Finance, nous avons demandé, Premier ministre, nous avons demandé, ministre Justice, en tout, pour l'accompagner, l'autre national, qui a aidé, jeune job, qui a aidé à rentrer l'argent sur 13 milliards, mais garantir
sous presque 400 500 000 de machines. Ces machines, je vais parler de banque bolette, qui vient souterrain, le guide national qui a baillé 2 à 3 milliards de gouttes. Il y a une volonté politique pour ça. Voilà, c'était précision. Grand Tituoto, bureau secrétaire d'État intégration Moun Handicapéo, n'a tête collé avec association Femmes Actifi non Soleil. Et puis, Union Femmes à mobilité réduite, Commémotionville, Journée internationale Moun Handicapéo. C'est sous thème, ensemble avec Moun Handicapéo, on travaille pour corriger développement, yo commémorer journée ça, année ça. N'a pas invité nous des femmes et jeunes vivant avec un handicap. Je me réjouis de la volonté clairement exprimée à associer ce 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, à ce thème. Je voudrais du coup remercier particulièrement les différents partenaires pour avoir porté au jour dans l'espace public cette dimension souvent ignorée de la vie des femmes et leur santé reproductive. Pour plus d'un, ce sujet reste-t-il encore tabou, au risque d'ignorer ou de faire semblant d'ignorer qu'une personne handicapée puisse avoir une vie aussi normale que les autres? Voilà donc tout l'intérêt de ce qui a été mis à l'ordre du jour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, soulever l'idée du rapport des personnes handicapées à la santé sexuelle et reproductive en Haïti, c'est mettre au jour un aspect sensible et critique de leur vie. Il s'agit de se demander si, dans la pratique comme sur le plan philosophique, ou des représentations sociales, les personnes handicapées sont normales et égales à toutes les autres. N'a pas profité fait qu'on est dans l'occasion Journée internationale Moun Handicapé. Yo équipe télévision nationale d'Haïti t'es visité centre d'études spécialisé pour inclusion tout le monde jeudi lundi 3 décembre. On a invité nous suivre qui Jean Santeyé avec John Herbie Casseus et puis Moïse Wilbridge. Centre d'études spéciales pour l'inclusion de tous, c'est l'école qui l'a pour apprendre si moun a besoin spécial, qui j'en veux vivre ou soit comporté ou dans la société. Digital Nariel Alet. Il a capacité pour accueillir environ 100 moun chaque année. L'école spéciale ça, qui l'a depuis 42 l'année, pas fonctionné même genre avec l'autre centre de formation pour timoun handicapé, selon responsable institution ça. Il fait qu'on est formation timoun ça, il fait dans 4 niveaux. On va prendre timoun qui déficient léger, non? Même déficient moyen, nous va prendre. C'est timoun qui est très déficient, qui a besoin de techniques et de méthodes spéciales pour apprendre. Ça, il va apprendre. Ça va veut dire qu'on va l'apprendre. On a fait des philosophes. Vous comprenez, c'est pas ça du tout. Mais, il va apprendre jusqu'à ce que vous êtes capable. Il va apprendre surtout comporter en groupe. Comporter vous. Il va apprendre écouter. Il va apprendre chuter. Il va apprendre socialiser. Nous, il y a beaucoup d'importance à bagage ça. Parce que si vous avez en général, c'est un gros problème avec vous. Vous avez gâté. Vous gâté. Et par l'école, là, à partir de 6 ans, à partir de 5 ans, maintenant, 5-6 ans, mais quand tu bébé très très par exemple, l'hôpital général, si mon est trisomique, et le docteur ouais, ça, en général, il voit au bon. Depuis petit bébé, nous prenons, mais il va à l'école. Nous prenons un soin externe. Sur un responsable centre d'études spéciales pour l'inclusion de tous, institution ça, c'est celle de formation qui accueille catégorie Timoun Sayo dans tout le pays.
D'après eux, il est nécessaire pour autorité dans l'État et secteur privé à faire un coup de jet sur catégorie Timoun Sayo qui méritait même qualité de traitement à tout le monde dans la société. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien. Parce que professeur, pourquoi pas capable. Professeur, l'anti-classe, la pipiti, c'est individuellement yo, pour apprendre les gestes. Donc, le sa classe, ça y est, fait pour gagner au moins 3 professeurs. C'est des classes de 30 timons, au moins 3 professeurs pour 10, un professeur pour 10. Ensemble avec les gens handicapés, on travaille pour corriger le développement. C'est un baptême ça, bio secrétaire d'État pour l'intégration des gens handicapés, commémorer la journée internationale des gens handicapés, Anessa. Merci Herbie et Moïse. Nous allons poursuivre pour nous faire connaître plusieurs jeunes garçons et filles dans la commune Tabar participer dans un séminaire de formation sur l'entrepreneuriat et secourisme dimanche qui était 2 décembre. Activité ça qui déroulait dans le local mairie, c'est occasion pour jeunes ça enrichir connaissances et puis apprendre en pile bagaille yo pas de connaître. N'a invité nous suivre un extrait. Formation ça, c'est une formation qui a duré pendant un mois et on a fait chaque week-end. C'est une initiative et méritable conseil communal là. Nous gagnons différents domaines dans intervenir là dans la formation ça, différentes thématiques. Par exemple, nous gagnons sur secourisme, nous gagnons protocole et gouvernance publique, toutes thématiques ça, tout domaine ça, on a intervenu là dedans. Donc Méria li prend initiative ça dans l'esprit pour encadrer jeunes yo pour suspendre et mettre tête yo by view by koyo à l'autre activité qui passe plutôt yo mettre tête yo mettre view dans deux activités qui saine qui capable conduire demain et dans de l'autre bagaille qui cap ouvrir la vie demain. Nous constatons que ces derniers temps, les nécessaires sont impératifs même d'adi pour nous connaître les premières techniques de premiers soins. C'est-à-dire, quand un accident survient quelque part, peu importe l'accident, qu'il s'agisse de son monde qui font accident sur motocyclette, qu'il s'agisse de monde qui fait accident sur machine, ou bien c'est monde qui a tiré tout parce que c'est monnaie courante, c'est aussi, vous n'en avez pas le montré, M. Damio, tout ça pour vous faire, toute conduite à tenir, vous devez connaître quand un accident survient. Pour vous connaître comment pour intervenir, comment pour bailler les premiers soins, comment pour être en hémorragie, comment pour pratiquer la respiration artificielle, comment pour soulever une victime qui tombait n'importe j'en tombé, il y a des méthodes de relève pour ça. Nous allons mettre tout le monde, montrer comment vous pouvez agir, comment vous connaître vos agir interne, comment vous connaître vos agir externe, comment vous connaître vos agir extérieur. Et puis, quand on a fait connaître un funérail professeur Fritz Dorzière qui chantait samedi 1er décembre dans l'église Saint-Dominique dans Port-Salut. Professeur Dorzière n'a pas rappelé le mourir 12 de novembre qui se passait à Anne-Marguerite Auguste à Critchy de Gerville pour un reportage. C'est en présence parents, familles, amis, funérailles, professeur Fritz Dorzière t'es chanté. Plusieurs personnalités t'es rendu dernier hommage à défunt pour contribution t'es portée dans divers domaines pour avancement PIA. Curé paroisse pour saluer. Yonek qui t'es dévoué pour porter soutien à tout le monde. D'après Théa, professeur Fritz Dorzière a continué à vivre à travers actions qui étaient composées dans divers domaines. C'est bon Dieu qui baille, bon Dieu qui prend. Il est bon Dieu qui prend dans nous, il baille plus parce que ça nous est espéré. On dit bon Dieu merci pour la vie frère Fritz Dorzière. Et peut-être qu'une parole qui touche, qui manque. C'est parole mamie en Tabiskaléa. Dit que il était levé Dorzière avec une chapelet. Il veut mettre une petite prière, une chapelet pour aller continuer votre vie. Peut-être son parole la vie. C'est peut-être ça qu'on va rassembler pour nous célébrer la mort. Mais nous célébrer la vie. C'est une nouvelle naissance vraiment dans le pays côté bon Dieu. Et l'évangile l'a dit, Jésus dit non que l'Ipralil va le préparer en place pour nous. Côté lié, c'est la nouvelle. Préfère le beurre noir, il va se laver.
Serge Pontulis, membre cabinet Premier ministre Jean-Henri Seyan, qui était représenté dans funérailles, ça expliqué qui est Fritz Dozier Teye. Comment il était comme toujours répondre présent pour défendre l'intérêt pays. Le professeur Dozier, qui n'était pas un néophyte en politique, mettait son solide engagement en faveur des démunis qui étaient ancrés dans son histoire personnelle et dans son parcours académique. Certes, il connaissait les aléas de la vie politique et considérait avec une certaine sagesse ceci. Il n'en faisait pas un métier. Ses choix fondamentaux étaient dans le monde académique et surtout dans l'attachement à son poste. Nous sommes réunis dans la tristesse. Tristesse pour vous, bien sûr, ses parents, d'avoir perdu soudainement un être admiré et aimé. Tristesse pour vous aussi, ses camarades et collègues, d'avoir perdu un ami proche. Tristesse enfin pour notre pays, d'avoir perdu l'un de ses dévoués serviteurs. Fritz Dozier mourit à l'âge 50 ans. Après une maladie, il était supporté avec courage. Professeur Dozier était occupé divers postes dans l'État et dans le secteur privé. Dernier jour, directeur académique dans l'université Cedi a conseillé évaluation publique dans le ministère intérieur et collectivité territoriale. Merci Anne. Et puis rapidement, mes téléspectateurs, nous avons une actualité en sous-plan international pour nous faire connaître 24e conférence Nations Unies sur changement climatique là, lancée dimanche 2 décembre là, dans le pays Pologne. Objectif rencontre ça, c'est faire respecter l'engagement au TPRAN sous affaire réduction gaz à effet de serre. D'après le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, changement climatique là, pour en pile région dans le monde lancé en question la vie au soir le mort. On suit. À Katowice, plus passé 200 délégations qui réunies dans un seul objectif, c'est respecter l'engagement qui prend dans sa qui vient à réduction gaz à effet de serre dans l'idée pour limiter la température qui a monté à 2 degrés et même moins par rapport à l'époque avant la révolution industrielle. Là. D'après un constat, secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, nation est allée dans mauvaise direction. D'après Antonio Guterres, monde a un gros problème avec le changement climatique. Le changement climatique, d'après lui, qui a avancé plus vite passé, il faut qu'il ait essayé de reprendre avant trop tard. Toujours d'après la déclaration, secrétaire général de l'ONU qui a continué pour le dire, pour un pile monde, région et même pays, changement climatique a déjà en question la vie, soit la mort. Tempête, diffée, inondation, c'est ensemble phénomène météorologique qui multiplie encore l'année 2018, là, qui d'après experts, c'est conséquence directe réchauffement climatique. Là. D'après l'Organisation Nations Unies, année 2018, la Téhune, dans 4 années, qui était plus chaud, qui jambes enregistrées. Ça a toujours été une actualité en sous-plan international pour nous faire connaître suite à ce sommet G20 ans qui déroulait vendredi 30 novembre à samedi 1er décembre. Président chinois Xi Jinping mandait Tokay américain Donald Trump coopérer pour garantir prospérité mondiale. Toujours dans ce sommet, ça, pays États-Unis, Canada et Mexique signent un nouveau traité libre-échange nord-américain. Nouveau traité ça, sous demande président américain, remplacé ALENA qui est en vigueur depuis l'année 1994. Sous conflit entre Ukraine et la Russie, dans une conférence pour la presse, président russe Vladimir Poutine déclaré autorité ukrainienne actuelle yo pas gain pour régler conflit entre Kiev et séparatistes dans l'est Ukraine. Conflit ça c'est la cause plus passé 10 000 monde perdu la vie yo depuis l'elle éclaté dans l'année. États-Unis pour nous faire connaître ancien président États-Unis d'Amérique là, George Herbert Walker Bush mourit vendredi 30 novembre là, à l'âge 94 l'année. George Herbert Walker Bush sorti 1989 pour arriver 1993 pendant fin guerre froide là. Actuel président américain Donald Trump saluait leadership ancien président. L'Ikwe à travers sincérité, esprit et engagement solide, l'ité prend en faveur la loi. Famille à pays, président Bush t'a inspiré plusieurs générations citoyens américains.
Bon côté pâle, président, ancien président Barack Obama fait connaître l'Amérique perdue en patriote à qui un bon serviteur. Président République Jovenel Moïse quitté pays en lundi 3 décembre pour un voyage au Cuba. Président Jovenel a participé dans la célébration 20 l'année coopération Haïti à Cuba. Première dame République Martine Moïse accompagnée ministre Santé Publique Docteur Marie-Greta Roy Clément visité hier dimanche divers services de l'hôpital Université La Paix. Camillo, service maternité, axal, néonatologie. Agent PNH saisi Yon Galil, 180 cartouches M14, 53 cartouches 9 mm et puis arrêté plusieurs moun parmi eux, trois chefs gang dans le cadre d'opération li mené dans zone métropolitaine non pendant week-end long d'après porte-parole adjoint institution, inspecteur principal Gary Desrosiers. Président Sénat République, Joseph Lambert, confirmé, séance travail à Conseil supérieur Police nationale a fait mardi 4 décembre. Dans le cadre de séance à cap public, il y a plusieurs questions sous dossier sécurité en cap abordé. Jeudi lundi 3 décembre, fait 17 l'année depuis bandit. Tout acteur politique yo continue travail yon façon pour faciliter journalistes yo exercer métier yo comme ça doit. Ministère de Public Transport Communication, Fritz Kayo, côté précision sous divers travaux qu'a réalisé dans divers départements dans le pays, tant au Grand Nord et l'Ouest. Ministre Fritz Kayo a participé dans 65e conférence lundi de la presse, lundi 3 décembre. Ensemble avec mon handicapé, on travaille pour Corée Développement, c'est sous thème ça, bureau secrétaire d'État intégration. Mon handicapé, dans tête collée avec association Formatifi dans Soleil et puis Union Femme à Mobilité Réduite, commémoré lundi 3 décembre, journée internationale, mon handicapé. L'actualité en sous-plan international, ancien président américain George H.W. Bush mourit vendredi 30 novembre. C'est petit garçon, ancien président George Bush qui t'a annoncé nouvelle sous compte Twitter. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti journal pour mois de décembre et pour semaine ça. Dans présentation, c'était l'iné là. Dans première toute équipe là qui t'a mis tes mains pour t'arriver en ni possible. Et bien, enfin, encore a souhaité nous une très bonne soirée, mais surtout une très bonne semaine sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.